Gaëlle Mercoli. Cantine. Oui. Elliot Morgneux. Cantine. Pas de cantine, Elliot. Comment? Cantine ou pas? Oui. Camille Vidard. Cantine? Oui. Mathis Iniesta. Non, sans plaisanter. Vous avez choisi une spé qui ouvrira énormément de portes, la SVT. L'idée, c'est de vous faire découvrir un peu en une journée un condensé de ce que sera votre spé. Alors ça, sera un peu plus ludique que vos cours à l'année. Mais profitez bien de ce temps-là avec vos professeurs pour vous projeter vraiment vers tout ce que peut vous donner à la SVT. Les SVT, pardon, avant qu'ils me reprennent. Voilà, monsieur Holtzmann. Alors, pour vous parler un petit peu de la spécialité SVT, donc on a différents objectifs des SVT au lycée. Ça, c'est commun finalement à tous les élèves de France qui prennent la spécialité SVT. L'idée, c'est de construire une culture scientifique commune, de former l'esprit critique et de former à l'éducation citoyenne, notamment tout ce qui est lié à la santé et à l'environnement, qui sont les deux grands enjeux du monde contemporain, et de préparer aux futures études supérieures pour ceux qui poursuivront le chemin de la science. Alors, comment va se passer maintenant cette journée-là de cohésion? La moitié des groupes va commencer au laboratoire, où on va tourner sur 4 ateliers. L'autre moitié des groupes va partir avec Madame Garnier et Madame Gérard au jardin Gaudron. L'après-midi, on inversera. Ceux qui étaient au laboratoire le matin iront au jardin Gaudron et ceux qui étaient au jardin Gaudron seront au laboratoire l'après-midi. Je m'appelle Odile Gérard, donc je suis prof de SVT avec Madame Garnier et nous sommes ici au Jardin Gaudron, magnifique jardin juste à côté du Museum Aquarium de Bracy. C'est un jardin remarquable et nous avons décidé d'emmener nos élèves pour cette journée d'immersion en SVT et notamment pour leur faire travailler leur esprit naturaliste, retrouver les espèces végétales, les faire travailler sur les engrais verts. Parce qu'il y a des plates-bandes qui ont été ensemencées en diverses variétés, en diverses espèces d'engrais verts. On va les faire, on va leur faire retrouver des espèces qu'ils mangent. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Et donc on voit les différents fragments d'ADN qui commencent à migrer tout doucement vers le bas. On est dans le cadre d'une journée découverte de la spécialité SVT que je veux faire l'année prochaine. Je veux faire ça car ça me plaît la SVT. Et là aujourd'hui on vient de faire un petit atelier sur les tests ADN. C'était super intéressant. Alors, la roche utilisée dans les manipulations est un granit, un basalte, la gélose, l'animal de terre.
et ça concerne donc les élèves du monteur, bien sûr, de première et de terminale. Alors, qu'est-ce qu'on fait en équipe? Eh bien, on va mener un projet, et puis le rendu, bah, c'est pas un écrit, c'est pas un dossier, etc. C'est une vidéo de 5 minutes, et puis il faut faire un petit résumé de 15-20 lignes pour expliquer à quoi correspond cette vidéo. On a fait la journée cohésion SVT avec nos professeurs. On avait plusieurs activités le matin et l'après-midi en deux parties. Personnellement, les SVT et cette journée de cohésion a bien confirmé du coup mon choix pour l'année prochaine, qui va être du coup de prendre la spécialité SVT avec deux autres spécialités pour mon projet futur d'orientation.